Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sabrina 820 Gaming. Très heureuse de vous retrouver pour découvrir Apex Construct. Donc ça y est, j'ai acheté le jeu. Donc on va faire le tuto qui est très rapide et puis la première mission hein, sur cette petite vidéo. Donc New Story, yes, je joue en normal, je me joue assise et c'est parti. Donc, j'ai déjà fait la première mission tout à l'heure, donc forcément, hein, ça va aller très vite. Donc, oui, Apex Construct sur PSVR, hein, je ne sais pas si je l'ai précisé tout à l'heure. Alors, le souci dans ce jeu, bah, c'est qu'il est exclusivement en anglais. Et en plus, j'ai regardé tout à l'heure, il n'y a pas de sous-titres anglais. Donc, quand on comprend mieux l'écrit que l'oral, et bah, tant pis. Il n'y a pas de sous-titres. Voilà, là, donc on commence dans l'ascenseur. Hop. I had to do what I could. I hope you like your new hand. Now, we must get you out of here. Mais sinon, le jeu est sympa. Hein. Parce que là, j'ai fait le tuto. Bon, le tuto, c'est la démo, en fait. Et j'ai également fait la première mission tout à l'heure. Open the door, please. Hop. Alors là, je vais tout de suite changer les... Hop. Pas de vignette, s'il vous plaît. Voilà. Allez, on fait tout ça vite fait. Hop. Aller voir vite fait par là. C'est... Non, il y avait une porte. Secteur 3, ouais, donc c'est pas tout de suite le secteur 3. Hop. Alors, juste à fond, je sais que c'est par là qu'il faut aller. Donc comme je disais, le jeu est joli, mais ça aliase. Puis tout à l'heure, j'avais des plaques qui clignotaient à fond. Mais sinon, c'est, bah, les couleurs sont jolies, mais c'est dommage que ça aliase un petit peu. Mais sinon, les couleurs sont très jolies. Mais il y a quand même des petits soucis au niveau des graphismes. Father. Je regarde parce que des fois il y a des petits secrets de cachés dans les niveaux. Tiens, l'eau est bien réalisée. Hein. Là c'est joli. Bon, ça aliase un tout petit peu. Alors, je prends mon petit arc. Je tire sur les panneaux. Enfin, j'essaye du moins. Bah bien. Hein. Ah oui, parce qu'il fallait que. Bon. Hop là. Voilà. Ok. Voilà. Alors là, on va avoir les premiers ennemis qui vont arriver par ici. Ah, le tir à l'arc n'est pas toujours très simple. Je suis pas une douée de l'arc à flèche. Ah bah oui, il y en avait un autre qui était là. Donc quand vous appuyez là, on a le bouclier également, en appuyant sur la gâchette du move gauche. On va ouvrir ça tout de suite. Allez. Pas le temps de tergiverser. Tiens, on va récupérer là-bas, parce que c'est... On a des points d'expérience, hein, je suppose.
Alors, où j'ai fait tomber mon petit machin, moi? Il est tombé où? Ah bah c'est bien, j'ai pu le voir. Non mais c'est pas vrai. Il est où mon bidule? Ah, il est là. Eh, viens là. Eh. Ah bah non. Oh, tout à l'heure j'avais pas de problème de tracking. Qu'est-ce qui se passe là? Ah. There, just through that door. Then I'll tell you all you need to know. You've seen what the world has become. The shift tore it all apart. One day, everything was normal. And the next, well, it was like this. I believe we can find a way to reverse it. And that is why I brought you back from the void. But first, we have some other things to attend to. Now, let me show you your new home. Voilà, donc bon, là c'est le tuto qui est terminé et maintenant on va faire la première mission, qui va être rapide hein, puisque je l'ai faite tout à l'heure hein, évidemment. Quand on ne sait pas où trouver les codes et tout, c'est tout à l'heure j'ai cherché des codes, bon là maintenant je sais, donc je vais le refaire rapidement. Hop, bon, là ça nous explique d'appuyer sur triangle, là on met les choses dans l'inventaire comme ça, on les récupère. You can store almost anything you can pick up in it. If you want to put your bow away, it lets you do that. Alors là on trouve un petit secret. Hop là. Que je vais aller placer ici. Voilà. Donc bon, peut-être pas la peine de revisiter l'appartement. Ah. Je vous présente ma salle de bain. Bon, on va pas chercher hein, là, voilà. Puis je sais qu'on peut grimper tout à l'heure. On verra ça en fin de vidéo si j'ai le temps. On va se lancer tout de suite sur la deuxième mission. Voilà, donc là c'était Hello World. J'ai complété une fois, ça marque le nombre de fois on l'a complété. J'ai trouvé qu'un seul secret, alors c'est pour dire il y en a beaucoup plus. Et là on va faire fracture, je sais pas comment ça se dit. Hein. Allez, c'est parti. Donc ce qui est bien quand même, c'est qu'on peut refaire les niveaux pour rechercher après les secrets qu'on n'a pas trouvés la première fois. Puis bon, quand on refait un niveau, forcément, bah on sait, on connaît, c'est plus facile. Parce que tout à l'heure, j'ai quand même passé du temps à trouver certains codes pour ouvrir les portes. Les créatures que vous avez combattu avant ont été envoyées par ma mère, une sentiente AI, juste comme moi. Il y a beaucoup à vous dire sur elle. Ça me plaît, moi j'aime bien comme jeu. Donc là, on est... Ouais, le 2B, on peut pas y aller. Alors, il va y avoir des petits ordinateurs comme ça, il va falloir... Voilà, par exemple, pour ouvrir cette porte-là, bah, là, c'est pas trop dur, hein. C'est marqué là, 55-17. Mais après, ça peut se compliquer, hein. Ça se complique. We must activate a cloaking device to make the safe house invisible to Mother. Donc bah, ça montre, hein, il va falloir qu'on sorte ici en fait, l'ascenseur, il va falloir qu'on passe là tout à l'heure. Et là c'est pas la peine d'essayer d'y aller, mais de toute façon oui, voilà c'est là qu'on peut pas y aller, j'ai pas les cartes, j'ai rien. Mais ça va aller très vite. Bon, je parle, de toute façon je comprends rien de ce qu'il dit, alors... Là-bas il y a... j'ai vu qu'il y avait quelque chose à récupérer. Hop là, voilà. Ouais, tout à l'heure j'ai galéré un endroit, c'était pour... Donc si vous voulez pas être spoilé, évidemment, ne regardez pas cette vidéo.
Donc là, pour trouver ce code-là... Ah oui, il y a des ennemis derrière. Attention, j'ai pas fait attention. Donc là, faut que je fasse comme ça, que je reprenne mon arc. Vous voyez? Et là, il y a des ennemis qui sont là. Et en fait, les ennemis, il faut pas hésiter à tirer. Ouais, je vais perdre, là. Je suis bien, je... Voilà, faut tirer vraiment des flèches en rafale, hein, parce que sinon on n'y arrive pas. Donc pour trouver le code de cette porte-là, eh ben, on va le trouver par là. Sous cette petite boîte-là, voilà. C'est 5776. Hop là. Ah, je suis bloquée. Donc là, forcément, c'est facile. Puis aussi, j'ai vu tout à l'heure, il faut lire quand même un petit peu ce qui est marqué. Alors, comment j'ai fait tout à l'heure? J'ai appuyé un petit peu sur n'importe quoi. Storage, dire. Je sais plus comment j'ai fait tout à l'heure. Open. Attends, on va ranger déjà l'arc parce qu'il sert à rien. Dire, ça fait... Oui, bah, open. Non, ce doit pas être là que j'ai... Non, bon. Allez, on avance ici. Hop. Alors, il me semble qu'il n'y avait pas un petit secret par là que j'ai trouvé tout à l'heure. Ah, si, il y a... Ouais. Il y a de l'XP à prendre. Voilà. Là. De l'XP, de l'air, oui, RP. Voilà. Hop. Donc tout à l'heure, j'arrivais pas à trouver le code ici. C'était pourtant... Ah oui, bah alors, oui, bah alors, voyez. Grosse bêtise. J'avais pas vu, j'ai pas fait attention. Hop. Je trouvais pas ce code-là tout à l'heure, alors qu'en fait, il était marqué... C'est pas ici? Non, c'est pas là qu'il est marqué, mais c'est sur autre chose qui est de l'autre côté. Je vais vous montrer où il est. Hop. Je ne l'avais pas vu. Il est tout simplement là, sur le banc, et puis c'est 1996. Moi, j'ai cherché tout à l'heure, je me commençais à m'énerver en me disant « Mais il est où ce code ?» Bah oui. Bon. Puis c'est vrai que... Bon, bah le jeu n'est pas traduit, mais enfin, on peut lire les chiffres quand même. 1996. Voilà. Tout à l'heure, j'ai perdu du temps. Et ici... There, on the table. Take an access card. Open device, open... Hey. Je sais pas si je peux récupérer ça. Mais ça va me servir à quoi, de toute façon? Bon, rien du tout, c'est pas un secret, ça. Là, y a rien. Donc, voilà, je récupère les petites cartes. Alors, je sais pas, tout à l'heure, je les ai toutes récupérées. Je sais pas s'il y a besoin de les récupérer toutes. Hein. Je sais... Je récupère tout, hein, et puis c'est tout. Alors. We're now fully installed in this remote northern base, and work on the body is progressing well. Je sais pas si ça sert à grand chose d'écouter ça, mais enfin bon. Alors je prends ma petite carte, que je passe ici, et que je range. Voilà, on descend. Hop. Alors là, on récupère des grenades, en fait. Je vais la tester, la grenade. Parce que tout à l'heure, j'ai fait n'importe quoi avec. On va la tester. Hop.
Oh là le vieux. Ah bah d'ailleurs c'est... Ah bah oui mais non parce que... Bon d'accord. J'en ai eu un avec la grenade mais l'autre... Bon. Allez, c'est bon. Hop. Donc maintenant j'ai ma petite carte. Alors tout à l'heure c'est pareil, je me disais mais comment on ouvre ces portes ici? Open, programme. Voilà. Je récupère un petit robot. Et là, j'ai... Hop, mon premier bazar. Alors, tout à l'heure, j'espère que je vais réussir à le refaire. Je sais plus ce que j'avais fait, hein. Je sais plus ce que j'avais fait, par contre, parce que... Je crois que j'étais retournée. Parce que j'étais retournée là-haut, j'avais écouté. Non, je crois que c'est toujours avec l'ordinateur. C'est bizarre, parce que tout à l'heure, j'ai réussi, hein. Et j'avais... Il me semble que j'avais fait comme ça. Hein. Dire, open. Ah ! Pourquoi ça veut pas marcher, là ? Enfin, je sais que j'étais ressortie, mais ça avait rien à voir. J'avais réécouté ce qu'ils ont dit, ce qu'il avait dit, le bonhomme en haut, mais ça savait rien. J'avais refait tous les ordinateurs, ouais, mais ça avait rien à voir. Je pense pas que... C'est vrai que tout à l'heure, la deuxième, j'ai eu un peu de mal à l'ouvrir, zut. Ça a l'air de recommencer, enfin j'ai plus de temps que tout à l'heure. Open. Password. Dire, je sais même pas ce que c'est. Dire, ça doit vouloir... Ça veut dire quoi? Ouais. Puis le problème, hein, bah, c'est que c'est qu'en anglais, alors... c'est pas toujours simple. Je sais que tout à l'heure, j'avais retrifouillé tous les ordinateurs. J'avais écouté comme ça, je pense que c'est rien à voir. Ouais. Open device, open aim. Bon, bah écoutez, j'ai dû refaire quelque chose, on va bien voir. Mais tout à l'heure, c'est vrai que j'ai eu du mal à ouvrir, j'ai ouvert une porte. La deuxième, j'avais eu du mal aussi. Bon, faudrait pas que je passe trop de temps sur cette histoire de porte. C'est embêtant. Open door, please.
non. Non. Alors, je sais plus ce que j'ai fait tout à l'heure. Franchement. Ah la vache. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Comment ai-je ouvert la porte? Je m'en souviens plus. Je ne m'en souviens plus, les amis. Ah si, ça j'ai, il m'en souvient, il y avait un bouton caché. Ouais, d'accord. Ok, génial. Je pensais que c'était encore avec l'ordinateur. Bon, d'accord. Vous le saurez, hein, vous faites pas comme moi si... si vous jouez... Hop. Non, là j'ai déjà mis, c'était l'autre. Voilà, allez, hop, mets-toi, hop là. Et voilà, et non, c'est en haut. J'ai essayé de fouiller un petit peu plus parce que tout à l'heure je me suis un petit peu dépêchée. J'ai pas beaucoup fouillé ce coin-là. Oh, l'ascenseur. Ouais, c'est l'informatique, ça. Open visitor. Bon, allez, hop là. Oh non, something's wrong. Quelque chose se passe. We need to... Oh, tout va casser. Oh. Well, hello there. You must be father's latest toy. C'est dommage qu'il y ait ça qui reste. Parce que tout à l'heure, j'ai dû me téléporter juste dessus. Là, on voit ça qui reste, c'est énervant. He has told you about the others he sent after me, hasn't he? Ah, ouais, donc, quand vous jouez, essayez de vous téléporter sur ce machin jaune, parce que sinon, voilà, ça reste. I wonder why. It doesn't matter. I am coming for you both. It will all be over soon. What did she say? She lies. That's all she does. You can't trust her. Promise to keep me informed if she attempts to contact you again. Ah ouais, alors là, attention, je me souviens, il va y avoir des ennemis. Est-ce que j'ai encore une grenade? Attends, je peux leur lancer une grenade. Ah là là. Ouais, bah je crois que je l'ai pas bien lancé la grenade. Oh là, j'ai perdu. Ouais, bon bah voilà. Dis, ils sont pas faciles les ennemis, hein. Faut vraiment ils sont pas si simples. Faut vraiment se dépêcher en fait. Voilà, bah quand on se dépêche, voilà. C'est ça, faut vraiment se dépêcher quoi. Uncomfortably close to our base. Take them out quickly, then return home. There is much to do, and too little. Voilà, donc on a fini le secteur 1, alors. Apparemment.
Voilà, bon bah effectivement c'est plus rapide quand on l'a déjà fait une première fois. Donc le jeu a été sauvegardé. Alors, j'ai récupéré un petit truc, moi. Non, c'est pas ça. Ah, bah non, je les enlève toutes. Et il est où, mon autre? Oh, bah non. Oh là là, vous avez vu les bugs que ça fait. Ouais, non, je l'avais mis un là, et puis l'autre, il est parti, je sais pas. Il a dû sauter. Il est reparti là, non? Non? Ah, il est tombé là. Tombé, tombé. Voilà. Hein? Là, c'est un petit robot. Là, je sais pas, c'est les petits pics. Bon. Ah, les cartes qu'il faudrait que je mette là, c'est ça? Les cartes d'accès? Secteur 1, visiteur passe. Ah, j'en ai... Ah, bah non, parce que... D'accord, bon, bah, je sais pas, je... Ouais, non, c'est peut-être parce que c'est celle que j'ai récupérée, peut-être, non? J'en garde une, je sais pas pourquoi. Alors, bah là, je sais pas ce que c'est, un databank, moi j'en sais rien, c'est... Ça... Ah, c'est les ordinateurs, peut-être, non? C'est ce que j'ai regardé sur les ordinateurs. Bon, je vais juste regarder, hein, mais je vais pas faire la prochaine mission. Donc ce sera ça. La prochaine mission. Parce que là, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai trouvé 7 secrets. Ben, c'est bien. Et là, ce sera celle-là. Bon, on va pas la faire maintenant. Donc voilà. Alors, je sais pas combien il y a de missions en tout. Je ne sais pas. Ben écoutez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo donc d'Apex Construction. Hein. On aura fait le tuto et puis la première mission. C'est quoi ça? C'est pour améliorer les armes? 750, est-ce que j'ai assez? Ah bah ouais. Place your hand. Ah ok, j'améliore mes armes. D'accord. Ah bah c'est cool ça, donc c'est pour améliorer ses armes. Mais évidemment c'est de l'anglais, hein. Moi je peux pas... Donc c'est cool. Ça c'est le bouclier. Ouais bah je peux pas l'améliorer. Mais il y a possibilité de refaire les missions en fait, comme ça. Les RP ça sert à ça en fait. Bon, bah, c'est bien, il est niveau 2 déjà. Je vais être plus forte alors. Je pense que ça sauvegarde quand on fait ça, j'espère. Parce qu'apparemment, ce sont des sauvegardes automatiques. Bah, tiens, oui, je vais vous montrer les. Avant de terminer la vidéo. Où il n'y avait rien d'autre. Hein. C'est l'appart, on va dire, son appart. Ouais, de toute façon, il n'y avait rien de. D'extraordinaire par là, je crois. Non. Non, il y a des boîtes. C'est ça qui est dommage, c'est qu'il fait sombre et qu'on... On n'a pas de lampe torche. Hop. Donc là, apparemment, on peut s'acheter... ça doit être pour la santé, je pense, ça. De l'énergie, ouais. Voilà, c'est là. On peut pas l'ouvrir, la canette? Je peux la mettre dans... Voilà, bon. Bon.
Bon, bah écoutez, voilà, le petit endroit où, bah, entre chaque mission, on se retrouve là. Hop. Non, bah c'est un petit jeu sympathique. Bon, j'espère que... Parce que c'est Boubou qui me disait qu'il était bloqué à un endroit. Bon, bah on verra bien. Voilà, bah écoutez, on se réservera cette prochaine mission, bah, pour la prochaine fois. Je remercie tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Hein. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu vers le haut. Même si vous n'aimez pas les jeux auxquels je joue, mettez le pouce bleu vers le haut. Ça aide la chaîne pour la visibilité des vidéos sur YouTube. À vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Un grand, grand merci à vous tous du fond du cœur. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, bah, je vous souhaite à tous une excellente soirée ou journée. Ça dépend à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Allez, salut tout le monde et à très bientôt sur la chaîne.